une énorme soirée, un énorme banquet qui a très bien réussi, ma foi, avec des discours très porteurs de sens et très porteurs d'avenir pour la cause qui est la nôtre, celle de l'accès à la justice. Parce que dans le fond, qu'on soit à droite, à gauche, au centre, au milieu, en haut, en bas, l'accès à la justice, c'est quelque chose de primordial. Il y a Lucien et moi, sommes membres du conseil d'administration, Lucien le préside, donc on travaille avec ces jeunes, puis trop souvent on dit que la jeunesse ne fait pas grand-chose. Alors, quand on voit ces jeunes, moi ça me donne beaucoup d'espoir. Et ils s'impliquent réellement, même des fois je les écoute avec leur projet, là, dans les conseils d'administration. Ils sont fatigués. C'est beau de voir aller ça. J'ai demandé à des hauts fonctionnaires d'évaluer sérieusement la faisabilité de cette proposition. Le CRIPOP est un organisme formidable qui est parti d'un rêve de quelques jeunes un peu idéalistes, un peu fous, un peu rêveurs, et qui ont réussi en 3 ans à bâtir quelque chose d'exceptionnel. Et avec, entre autres, comme mandat, une plus grande accessibilité à la justice. Alors, moi, je suis ici ce soir, je suis venu de Québec, aller-retour, pour venir les soutenir dans ce combat qui est le nôtre pour une meilleure accessibilité à la justice. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un avocat, on est très fier d'être un auxiliaire de justice. Donc, on a un rôle immédiat à jouer par rapport à l'accès à la justice. Et on sait très bien que la profession d'avocat n'est pas très valorisée dans l'opinion publique, la perception, surtout quand ils font de la politique, plutôt négative. Mais même sans politique. Même sans politique. En plus, on sait très bien aussi que les tarifs qu'ont les avocats chers, surtout parce qu'il est devenu de grand business, là, tu sais, ça coûte très cher et puis il faut charger des tarifs très élevés. Et là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à nos cabinets. Alors, c'est important que la profession se mobilise, travaille de ce côté-là. Je vous lance le défi de convaincre l'ensemble des avocats de l'importance d'assumer ensemble de meilleure façon notre responsabilité sociale. Que pensez-vous de l'implication des avocats dans les causes comme la vôtre, dans les causes pro bono? Est-elle suffisante? Elle est, je dirais, à développer encore, mais elle est de plus en plus importante. Alors nous, c'est ce qui nous réjouit. Le travail que fait Pro Bono Québec auprès de ces avocats-là est incroyable. Il faut continuer à sensibiliser encore plus d'avocats. Moi, je pense que tous les avocats devraient donner au minimum 50 heures de service juridique gratuit par an. Pas par bureau, par avocat. Parce que c'est la responsabilité sociale de tous les avocats. Et là, quand les avocats chargent des tarifs importants, ils créent aussi un problème. Alors, c'est la responsabilité collective de s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à un avocat également. Alors, il va falloir travailler, continuer à travailler fort.